Nous accompagnons environ 200 copropriétés, donc sur un suivi. Alors, il peut être ponctuel, c'est-à-dire qu'il y a un seul échange, téléphone, rendez-vous ou par email, ou alors un suivi plus spécifique, voire même un accompagnement poussé pour les copropriétés qui se lancent dans des projets de rénovation. On intervient pour la collectivité auprès des copropriétés lorsqu'elles ont un projet de rénovation. Donc là, c'est vraiment un public que l'on essaye de motiver ou de renseigner ou de conseiller. Pour ce qui est des agents des collectivités, là, la démarche sera différente. Il ne s'agit plus de les mobiliser, mais de les informer sur ce que nous faisons et sur leur rôle éventuel qu'ils peuvent avoir, comme monter un club copro, par exemple, c'est le cas à Noisy-le-Grand, ou alors animer certaines actions auprès des copropriétés. À Noisy-le-Grand, c'est la collectivité qui l'a mis en place et il réunit une trentaine de membres de conseils syndicaux différents, hein, de différentes copropriétés, qui permet d'échanger. Donc il y a des intervenants qui viennent à tour de rôle présenter un thème, voilà, et puis avec un temps d'échange avec les participants.